Bonjour à tous, c'est la momie de Prince Texas. Et donc on se retrouve pour une nouvelle quête annexe, la dame du massacre. Alors, qu'est-ce que j'ai de faire? À trouver et amener Pamou à Manèche. Manèche. Non, Manèche. Manèche. Bref, à un endroit. On s'en fout. On l'amène à un endroit, peu importe où c'est. De toute façon, ça va passer crème. Ils font quoi? Tu fais quoi? Bah ouais, moi je suis un touriste hein. Non mais tu fais quoi? Et toi tu fais quoi? Ah, oh, il fait des pagnons en oseille. Ah oh, mais c'est bien ça. T'as pas l'impression de te la péter toi? Non? Tu attrapes un coup de soleil hein. C'est joli là. Oh. Oh. C'est le truc que je trouve génial dans le jeu hein. Le monde il a changé hein. Tu peux les pousser. Ils vont pas t'agresser hein. Et si on suivait le petit enfant hein? Petit enfant. Est-ce que la viande elle est bonne? Mais elle est même pas mort une flèche entre les je sais plus. Une flèche tout court. Bouge pas. Oh, une flèche dans le cul. Putain elle est immortelle. Ah bah voilà, il était temps. Je peux avoir de la viande? Non? Oh la pauvre bête. Violence animale. Violence animale. Bon, du coup il est où le... Ah bah j'y suis. C'est quoi que je dois trouver? Ah. Voilà pas mal. Bonjour. Où t'as l'air mal toi? Il dit quoi, c'est la bière? Oh, si seulement je fermais ma gueule, hein, on m'entendrait. Hein. Ça fait des heures que j'essayais de le chasser. Ah ouais, bah c'est peut-être vraiment ça. C'est peut-être vraiment la bière. Il est bourré, le monsieur. Et du coup, je vais en faire quoi? Ah ouais, je dois l'amener à un endroit. C'est lourd. Est-ce qu'il peut prendre feu? Et si on met sa main? Ah bah, son pied. Non? Non, il peut pas prendre feu. Un barbecue. Non, ça veut pas, hein, ça veut pas. On va essayer de trouver un autre barbecue. Non, là ça va être autant galère. Et si je le mets dans l'eau, est-ce qu'il se noie? Ah bah non, il nage hein. Il est fort quand même. Enfin, il y a un problème hein. Ça va? Tranquille? Je te dérange pas? Il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être bien. Oh dommage, ils sont où? Je peux pas monter. Non, je peux pas monter. Oh non.
Ça, c'est triste. Ça, c'est très très triste. Je suis passé une extrémiste entre deux personnes. Oui, t'as vu, je transporte quelqu'un. Vas-y, fais ta prière et regarde pas. Bonjour. Oh merde, je suis pas au bon endroit. C'est un cul-de-sac. Une tête de chat avec une corde, un corps de femme. Je sais plus ce que c'est comme dieu, mais je sais qu'il existe. On a plein de façons. Non, c'est... Bah, je peux passer. Yeah, y a l'entrée. C'est le sas. Franchement, ils sont pas fut-fut, hein. Ils ont pas encore inventé les portes. Ah bah si. Mais pourquoi ils les mettent pas partout? Oh, un cadeau. Ouais, ça, ça sert pas à grand chose en vrai. Mene. Bonjour. C'est pas mou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, il est pété. Il adore boire à la santé de Sekhmet. Trop, visiblement. C'est une catastrophe. Les gens sont venus des terres rouges et noires pour le voir combattre. S'il ne s'agit que de se battre, je peux le remplacer. Tu nous sauves, Medjay. Tu attires les honneurs sur toi, mais va parler au grand prêtre dans la cour du temple. C'est lui qui préside la cérémonie. Ouais, mais je vais devenir une légende, moi. Je peux pas me battre. Moi, je suis trop un bonhomme. Bah ouais, moi, je suis un fou. Moi, je suis un dingue. Je suis un assassin. Assassin. Toi, grand prêtre, je vais combattre au nom de Sekhmet. Tu n'es pas Pamou. C'est lui que j'attendais. Pamou est souffrant. Il se repose au temple. Bien. Le mytho, il est souffrant. Bah ouais, il y a peut-être un mal de crâne, effectivement. Effectivement. Ce n'est pas un véritable combat, mais tu dois rester vigilant. Ne crains rien. Je saurai rendre hommage à cette... Nous vous remercions de votre présence en cette nuit sacrée. Je vais t'éclater. Nous vous invitons à... J'espère que je vais pas me faire éclater, parce que sinon, ça va pas le faire. Nous vous présentons aujourd'hui un rite qui nous protège depuis des siècles. Allez, bagarre. Allez, bagarre. Si vos cœurs se laissent gagner par la méchanceté, Isfet, le maléfique, aura raison de la déesse. Ouais. Ah bah non, c'était lui. Condamnera Imu à 100 saisons de sinistres ténèbres. Ouais. Mais si Youpi. Vos cœurs restent purs, la déesse nous sera favorable. Je la connais. Et pas cette arme, je vais peut-être mourir, effectivement. De l'obscurité du chaos. Pas que je me gourre dans les touches, j'ai l'habitude. De me gourer dans les touches. Que le combat commence. Depuis des temps immémoriaux, Sekhmet, la lionne, nous protège de l'avidité d'Isfet. Isfet à Zanis était l'époux de Maha, déesse de l'or. Altérant la balance du jugement, il s'est engraissé des âmes des mortels. Mahat l'a chassé du lieu du jugement. Sa fin l'a poussé à revenir. Mais Sekhmet connaissait son cœur et a monté la garde. Hey, il tient bien la garde, hein. Le combat a duré 20 jours et 20 nuits, jusqu'à ce que Sekhmet soumette le seigneur du chaos. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos.
Regardez, attendez, son arme brille et lequel est Sekhmet. Les crocs de la lionne vont dissiper les ténèbres. Bon, vas-y, il est violent, hein. Il est violent, le monsieur. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Les crocs de la lionne vont dissiper les ténèbres. Laisse-moi me battre à ta place. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Les crocs de la lionne vont dissiper les ténèbres. Ouais, je sais, c'est de la triche, mais je m'en fous. Eh, au final, elle baisse en ma vie, hein. Repousse le chaos. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Que la puissance de Sekhmet. Vas-y, les grands sont bâtons, ouais. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Les crocs de la lionne. Le guerrier. Je suis l'humain à tête de chat. Bah, sur ce coup-là, un homme à tête de chat. J'ai cru que tu étais la buveuse de sang en personne. Ah, je ne connaissais pas le récit qu'a fait le prêtre du combat entre la déesse et Isfet. Il l'a inventé de toutes pièces. Tu n'entendras cela qu'à Imu. J'aimerais que tu restes quelque temps parmi nous, mais je sais que d'autres devoirs t'appellent. Je vais dire au revoir. Ah bah ça c'est clair. Partir. D'accord, tu vas leur manquer. Tu seras toujours le bienvenu à Imu. Si tes pas te conduisent dans notre belle région. Nouvelle tenue, on dirait. Oh ! Elle tue ! Garde le masque et le bâton de la déesse comme d'humble témoignage de notre respect. Mais je préfère le mien. Je suis... bonhomme. Et bah voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En plus, ça débloque un truc. Ouais. Donc je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.